C'est ici, dans cette maisonnette modeste, que s'est décidée la date du 1er novembre, date du déclenchement de la Révolution algérienne. L'ultime réunion des six s'est déroulée ici, un 23 octobre 1954, à Raïs Hamidou, ex-pointe Pescade. Six hommes ont écrit l'histoire avec un grand H. Rabah Betat, Mustapha Ben Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, Karim ben et Larbi Ben Mhidi. Le septième, sans qui la réunion n'était possible, c'est Morad Boukachoura, plus connu sous le nom de Simorad. Militant de la première heure, cet homme fut tour à tour militant du PPA, du MTLD, de l'OS et enfin du FLN. Les premiers que nous avions reçus à l'époque ici, c'était Nabi euh, Ben euh, Didouche Morad, euh, Abdrahman, Umchat et Mohamed. Ce sont les quatre euh, militants donc, qui étaient recherchés par la police française qui sont venus en premier en 1950. Ils sont restés trois, quatre mois, je ne sais pas combien de temps, ils sont restés ici dans cette maison, cachés. Ils ne sortaient que le soir. Pourquoi Parce que nous vivions là. Donc, euh, ma mère, les enfants, euh, donc, euh, et les enfants et ses enfants, et dans deux petites pièces minuscules. C'est un lieu de sécurité. Mon père était un homme qui a euh, un Cette réunion-là a marqué la fin d'un ordre, ordre colonial qui existait, dans lequel nous vivions. Et le début d'un ordre, un ordre algérien dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. C'est dans le plus grand secret que ce lieu de réunion a été le refuge pour tous ceux qui étaient traqués par la police française après la découverte de l'organisation secrète, l'OS. Ironie du sort, aux difficultés supplémentaires, cette cachette secrète des mujahidines se situe à quelques mètres seulement de la maison d'un membre redoutable de l'OAS, le dénommé Crétin. اه والله غير يمحيوهم كاع سيرتو في كارتي كيما لا بوانت بيسكاد اللي اللي كانوا لي كرون راسيست الكبار كاع كانوا يقولون الشيف تاع الرويس ها والله هذا تاع تو لي ريسبونساب لي كرون ريسبونساب تاع اللوس سون باسي اللي كان يجي بزاف ما تيدوش مراد وكنت نروح معاه انا كنت صغير كنا نحطوا فرانكو للبحر هو يحب يعوم سيت ان سبورتيف Les visages qui me sont restés fam familiers, c'est le visage de Didouche Mourad, le visage de Ben Mehdi, le visage de Bitat, le visage, le visage de Mshaté Mohamed. Et c'est durant la même réunion que la déclaration du 1er novembre 1954 a été finalisée, et avec tous les détails du déclenchement de la guerre. Sur le plan politique, la maison de Boukshoura est aussi le lieu où il a été décidé la création du Front de Libération Nationale, le FLN, et de son aile militaire représentée par l'Armée de Libération Nationale, l'ALN. Ce jour-là, les six hommes ont défini la carte des zones et défini sur le plan la stratégie de la nuit du 1er novembre. Selon les témoignages du militant Aïssa Sakeshida dans son ouvrage « Les architectes de la Révolution », les six hommes se sont procurés de nouveaux costumes et se sont rendus chez le photographe de la rue de Marne à Bebelwed, une journée avant l'ultime réunion, afin d'offrir à l'Algérie et à la postérité la première photo de la Révolution. Ces six hommes, à l'apparence modeste et timide, venaient de changer le cours de l'histoire et de sceller le sort de tout un peuple.